Il est 11h50. J'étais en train de monter la vidéo, du coup j'ai pas fini de la monter évidemment, parce que ça va me prendre des heures. Mais c'est pas grave, j'ai quand même commencé, j'en suis presque à un tiers on va dire. Il me restera deux tiers à faire, peut-être ce soir, on verra. Du coup j'ai décidé que j'allais d'abord faire mon sport, ensuite me préparer, me maquiller, ensuite tourner, ensuite sortir, rendre la voiture de location qu'on a prise et tout machin. Mais du coup, sport. Je vais essayer de faire 20 minutes de sport. Doucement, doucement, doucement. Je peux pas faire même 15 minutes, c'est bien. Je peux pas tout faire comme ça d'un coup. Donc tranquille, on va y aller doucement. Je vais me changer, je vais m'attacher mes cheveux et tout ça machin. Et surtout changer de haut parce que je peux même pas vous accrocher là-dessus. Je vais garder mon pantalon parce que je le mettrai à la machine du coup. Je vais faire tourner une machine après. On s'attache la chevelure. Et l'idéal, ça serait qu'aujourd'hui j'aille acheter. Parce que j'ai plus de voiture après, vu que je la rends au monsieur. Aujourd'hui, il faudrait que j'aille acheter la teinture. L'alcool pour le rouleau là, tu sais, le rouleau à pic là que je t'ai dit pour les cheveux hier soir. Bah si vous suivez hein, c'est le vlog d'avant je crois. On les attache en vite fait, on s'en fout un peu. C'est juste histoire que ça me gêne pas. Alors ce que je vais faire, c'est que sur la Switch moi j'ai des jeux de sport, donc j'ai un jeu de corde à sauter, je vais faire ça. J'ai un jeu de boxe, je vais faire ça aussi. De toute façon je vais vous filmer. Et le plus intéressant, le c'est intense et tout, si j'y arrive, et j'espère que je vais y arriver parce que j'ai perdu trop vite la dernière fois quand j'ai fait ça. C'est une vidéo sur YouTube de, je crois que je vous en ai parlé, je sais plus. C'est des chinoises ou des vietnamiennes, enfin je sais pas de quelle origine elles sont. Mais comme il y a un drapeau rouge avec des étoiles jaunes, je suis nulle en géographie mais il me semble que c'est genre la Chine ou le Vietnam. Après je me trompe peut-être. Elles sont là des terres en triangle. Tonce, 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 tonce avec leur ventre, ça comme et tout. Du coup, c'est ça que je vais faire. Mais ça, c'est le plus dur pour moi en tout cas. Je sais pas si vous vous lancez le défi avec moi, mais de perdre un peu de poids. Mais c'est le plus dur, mais je suis déter. J'ai quand même essayé. Et la vidéo, elle dure 45 minutes. J'ai jamais réussi à faire les 45 minutes entières. Le plus que j'ai réussi à faire, c'était 32 minutes ou 35 minutes, je crois. Le max, max, max. On verra bien. En attendant, c'est parti, on se motive. Voilà mon corps avant, hein. Allez, je vous ramène dans la chambre de sport. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié, il y a le linge, oh là là. Personne n'a le droit de se moquer, hein, je vous explique. Hein. Pour moi, le sport, c'est petit à petit déjà, sachez-le. J'ai fini 500 ml. Hop, on va sur l'application. Au cas où vous l'avez encore jamais utilisé, je voulais vous montrer. Je sélectionne ici 0,5, c'est ça que j'ai pris. Hop, et je rajoute. Et mon corps, il a augmenté. Et je dois faire 2,3 litres aujourd'hui. Je sais même pas si c'était focus. Pardon si ça l'était pas. Bref, comme je vous ai dit, le sport, on y va doucement, doucement. C'est pas la peine de m'angoisser avec des oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Laissez-moi vivre. Je me suis resservi 500 ml. Ça va, je dois le boire 4 fois par jour. C'est faisable. J'ai ma Switch. Pour commencer, personnellement, pour commencer doucement, je fais de la corde à sauter au début. Ouh là là, attendez, faut que j'enregistre ma partie. Professeur Layton, attention. Oui, oui, oui. Ah merde. Si, mais je vais essayer, mais après. Oh non, je crois que je peux pas sauvegarder. Oh là là. Merci beaucoup. Alors, hop là, on sauvegarde. On met la luminosité à fond. Alors, les deux jeux que j'utilise pour le sport. Je sais pas si c'est focus. J'utilise celui-là pour la corde à sauter. Et celui-ci, c'est pour la boxe. Les deux, ils sont payants, mais vous pouvez trouver des trucs, des alternatives. Ou même le faire sans ça, en vrai. Et la réalité des choses, c'est qu'on n'a même pas besoin de ça, en vrai. Tu peux juste faire de la corde à sauter tout seul. Mais bon, j'ai besoin de motivation externe. Donc, hop, c'est parti. C'est parti, hein. Mon goal de corde à sauter par jour, c'est, il me semble, 1000. Je crois que j'avais mis 1000. J'ai peur que quand je saute, ça fasse trembler la caméra. Très probable, hein. C'est parti. Je sais que ça a l'air débile. Ok, on arrive à 100 là. Eh mon pote, ça avance, hein. Faut me faire confiance. Bah, par contre, je pense que le micro, il doit être inutilisable là. Je sais pas si vous m'entendez, mais ok, on fait 1000 cordes à sauter. Déjà, ça va me tuer, vous allez voir. De 1 avec l'asthme, de 2 avec la clope, même si j'essaie d'arrêter. Et de 3 parce que je fais jamais sport. Ouh, on a dépassé les 100. Ok, on croise. Dans ma tête, c'est une vraie corde à sauter. Bon, je vous retrouve au 1000, ok? Eh, j'espère que ça vous motive, hein. J'espère que vous êtes levé, vous êtes en train de faire votre sport vous aussi. Ouh, j'en peux plus. On est à 200. Allez, motivation, levez-vous. Je vous retrouve au 1000 et après, on fait la boxe. À toutes. On dirait pas, je sais, mais ça m'a donné chaud. Il me reste plus que 35, 970, allez, 980, ça fait trop mal au bras, 990, 5, 4, 3, 2, 1, on a fait les 1000, on a fait les 1000, merci beaucoup, merci du soutien, merci, merci, merci. Ça m'a défoncé, mais en vrai ça met dans le bain, pardon je crie, mais ouais ça met dans le bain donc c'est cool. Prochaine séance, c'est la boxe. Ça va, franchement, c'est fun, il y a de la musique et tout. C'est pas dégueu. Alors, il y a une abonnée, elle m'a envoyé un message. Alors, elle m'a dit, coucou Chéra, est-ce que tu peux m'aider à aller récupérer un chaton à Bondy? Je cherche une voiture depuis 2 jours et c'est une galère. Je sais pas ce qui me prend, mais qui ne tente rien à rien. Le problème, c'est que moi, je rends la voiture aujourd'hui, donc je lui explique. Je lui ai dit, je rends la voiture aujourd'hui, faut absolument que j'essaie de te caler. Je lui ai proposé, faut que je vois, je lui ai dit, je réponds dans 1 heure. Parce que faut quand même que je m'organise, j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. Mais bon, elle va récupérer un chaton et tout. Et la meuf du chaton, elle a un avion à 18h. Donc faut pas que je tarde à lui répondre. Bondy, c'est pas trop loin. Je lui ai dit à l'abonné, je lui ai dit si elle peut venir jusqu'à Bondy. Et après,
après moi je la dépose parce qu'elle habite dans Paris. C'est une galère. Donc écoute, bah franchement ça me dérange pas d'aider. Mais à voir comment je peux la caler. Je vais vous tenir au jus de toute façon. Je vous tiens au juice. Maintenant qu'on a fait ça, bravo, merci beaucoup, les 1000 pas. Je suis fière de moi, hein, ça date, j'ai pas fait de sport. Maintenant, on va sur Fitness Boxing 2. On va faire le... Je vais pas faire tout le truc, toute la séance, je vais juste faire les entraînements du jour. Il y a deux entraînements, droite, gauche, tu vois. Droite, gauche, vous allez capter de toute façon. On met quoi comme musique? Je suis sûre, je vais mettre You change your mind like a girl, change clothes. Ou alors je mets Girls just wanna have fun. Je sais pas. Eh, je vous promets, ça fait un mois que j'ai pas refait de sport. Enfin, je pense qu'on est rentré le 4 octobre. On est parti le 27. Depuis le 27, j'ai rien. Ouais, c'est ça, ça fait un mois en fait. Confirmer le poids. Pourquoi tu me poses des questions embarrassantes? Putain, je dois augmenter mon poids là. J'ai trop le seum. C'est pas grave, on va maigrir. J'y crois, les gars, j'y crois. Ok, c'est parti. Du coup, entraînement. Vous allez voir, hein, c'est ridicule, hein, je tape dans le vent. Hein. Mais je me dis, ça c'est le premier jour. Vous allez voir dans 30 jours comment je vais être fraîche. Si vous me suivez, on va être frais tous ensemble. Allez, c'est parti. Oh, c'est mon son, j'aime bien ça. Elle est en train de m'expliquer comment... T'inquiète, hein, j'ai pas chanté pour rien. Ok, c'est bon, c'était parfait. Ah là, il faut tourner tout le corps, hein. Attention. On tourne tout le corps. Là, c'est des exercices faciles. Et je fais ça pendant genre 10 minutes, c'est vite fait. J'ai aucun rythme, même s'il y a la musique, j'ai pas de rythme. Mais ça va, je fais des perfects. Bon, vous êtes motivés, j'espère. J'espère que vous êtes levés, là, la vidéo, elle est posée. Ouh, derrière. Ouais, ouais. Je pense que vous pouvez tricher. Je pense, sur YouTube, il y a des vidéos où vous mettez le nom de MyFitnessBoxing. Tu sais, c'est comme Just Dance. Ils mettent des vidéos gratuites. Ok les gars, franchement ça m'a épuisé. On passe à la partie la plus difficile. La vidéo où je vous ai dit des meufs, je vous la mets dans la description si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent faire. Franchement elles s'arrêtent pas pendant 45 minutes. Là franchement aujourd'hui si j'arrive à faire 5-10 minutes c'est très bien. C'est parti, elles sont des terres de ouf, vous allez voir ça va trop vite. Je vous pose parce que la musique copyright et tout. Eh, quand je vous dis cette vidéo elle est physique, c'est abusé, j'ai fait que de m'essuyer depuis tout à l'heure. Je transpirais, ça a coulé par terre sur le tapis, j'ai des flaques, enfin des gouttes. J'ai pas trop poussé parce que j'ai peur de me dégoûter, mais j'ai fait exactement 13 minutes 30. C'est plus que ce que je pensais, je suis contente, c'est pas grave, même si j'ai pas fait 30 minutes. En fait là j'allais me forcer un peu, mais j'ai peur de... Demain je vais être dégoûtée, je vais me dire ah ouais, hier et tout, flemme, c'était trop, tu sais, c'est trop dur quand tu fais pas de sport. Et que d'un coup tu t'imposes trop, c'est pas bon. Enfin je sais pas, en tout cas moi mon mental, il supporte pas ça. Du coup, très bonne séance. Bravo à tous ceux qui se sont levés et qui ont été déter de le faire. Même si vous avez mis pause, même si vous êtes parti de la vidéo, c'est pas grave. Même si vous voulez pas maigrir, on s'en fout. Le but c'est juste d'être en forme, d'arrêter d'être lazy, de rien foutre. On essaie de faire des trucs. Ouh, motivation. Plus on est, mieux, plus facile ça va être. Je vais à la douche, je vais manger. J'ai fait des œufs et je vais faire du thon mayo parce qu'il faut que je finisse le thon. Et si j'ai encore faim, je ferai des pâtes ou on verra. Ok? À la douche. Me voilà de retour les choupinous choupinettes. J'ai faim du coup. Mes œufs ils sont en train de truc. Enfin ils sont là-bas. Et il faut que je finisse le thon. Ton maillot, ah ouais, il reste aussi du surimi. Mais regarde, le problème, c'est que je suis née dans l'impatience. J'ai envie de les bouffer tout de suite, j'ai même pas envie de faire ma salade. Salade, grand mot. Oh là là, ça commence à me gaver les moucherons là.
C'est pour qu'il se casse plus facilement, mais je sais pas si ça va marcher. Ah si, ça va, ça c'est plus vite. Hein. La vaisselle, elle me monte jusqu'au crâne. Du coup, j'ai répondu à l'abonné et elle vient jusqu'à Bondy pour récupérer le chat et je la déposerai chez elle avec le chat. En fait, elle veut pas dans les transports se balader avec le chat, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'aide. Du coup, bah, nouvelle aventure aujourd'hui. Je me suis maquillée en vite fait, hein. Vraiment très vite fait. Bon, je vous appelle quand c'est prêt. Je savais que ça allait pas me suffire là, les histoires de ton... ton maillot œuf, du coup j'ai fait du riz à côté. Désolée, le thermomix il fait grave du bruit. Bref, ton maillot, on va mettre ça dans le saladier. J'ai mes œufs, j'en ai bouffé quelques-uns, j'avoue. On va les découper et les rajouter dans le saladier. On découpe à l'arrache. Hein. J'ai hâte qu'on fasse les travaux dans la cuisine parce que c'est moche. Hein. Il y a même pas de plafond. Ah ouais, je les ai vraiment coupés n'importe comment. Le thermomix il fait trop de bruit, il me fait mal à la tête. C'est prêt. J'arrive, 2 secondes, je suis en train de couper les œufs, madame. Elle aime trop me crier dessus tout le temps. Tu. 2 minutes, merde. Bon, ma salade, elle va être un peu chaude. Je sais pas, j'ai la flemme là de laisser refroidir le riz et tout. Non, j'ai faim tout de suite. C'est mort. À la base, je voulais faire des patates, mais faire cuire des patates à la vapeur, ça prend trop de temps. Le riz, c'est quoi, 10-15 minutes? Je crois même que je l'ai un peu trop cuit, parce que j'ai mis, je crois que j'ai mis 20 minutes. J'ai plus le... Je suis dégoûtée. Il y avait une spatule avec le thermomix, je l'ai plus, je sais pas où elle est, j'ai dû la perdre pendant un de mes nombreux déménagements. Espérons que je déménage plus pendant un moment là parce que ça me saoule de pas être stable. Hop, c'est mon riz, hein. Fait avec les moyens du bord. Ouh, il est beau gosse. Ah ouais, il est beau le riz. Je vous ai déjà dit que je galérais à faire cuire les œufs. Maintenant j'ai le thermomix, vous m'avez dit qu'on pouvait le faire avec le thermomix, depuis c'est bon. J'ai réussi. Le problème c'est que je galère à faire cuire du riz aussi. À la casserole et tout, les darons, je sais pas comment elles font, comment elles savent que c'est bon. Genre là, il est cuit. Du coup, j'ai trouvé comment faire cuire comment faire cuire du riz au thermomix. Et depuis, quel bonheur. Elle est belle ma salade. Elle est belle, mais là, elle va manquer de vinaigre. Pff, je suis une addict au vinaigre. Si un jour j'ai un ulcère, croyez pas, c'est à cause du stress. Hein. C'est le vinaigre qui va me tuer. Bon, je pense que le stress aussi. Voilà. Bien imbibé de vinaigre. La mayo. Je crois qu'il y en a plus beaucoup. Attendez, faut que je trouve mon rouleau là pour la vider. Voilà. Régime certes, mais tout de même. On a des plaisirs dans la vie. Ça va, je crois qu'elle est allégée, non? Non. Je vais prendre mon ça là et je vais la raquer jusqu'à elle va me donner encore un peu de maillot. T'as vu comment je l'ai aplati? Je fais ça avec le dentifrice aussi. Hey, mais vous êtes malades, les économies, les gars, vous avez vu le temps dans lequel on vit? Je vais me faire avoir en plus. Non, je vide les pots jusqu'à la moelle osseuse. C'est parti, on mélange. Je sais pas si j'ai mis assez de vinaigre. C'est tout ce qui m'inquiète. T'as vu comment elle est belle ma salade? Hein? C'est pas de la salade ça? Ça c'est de la salade mon pote. Et on limite la vaisselle, on reprend le bol de d'avant. J'allais manger dans le saladier de base, mais je sais que je vais pas tout manger. Du coup, je préfère laisser ça sur le tech. Mais normal, j'aurais mangé dans le saladier. Je vous le dis, des fois on a tellement la flemme de faire la vaisselle, on mange dans la casserole. Il y a aucune vanne dans ce que je suis en train de vous dire. Et je pense que c'est comme ça que je sais que je suis pas encore adulte. Va dire ça à des... Tu crois que je dis ça à ma daronne, mais c'est incompréhension. En plus, elle va me voir comme une flemmarde. Et elle a pas tort. Non, il faut appeler un chat. Un chat. Ah ouais, pile. Super. Très très bon. Avec ceci, je vais prendre une compote Andros sans sucre ajouté. Il n'y a pas de différence. J'ai jamais senti une différence entre sans sucre ajouté et normal. Oh, du coup, j'arrive chercher l'abonné pour 15h30 au pont de Bondy. C'est à 40 minutes de chez moi. Il me reste une dizaine de minutes de route encore. On est dans les temps. Hein. J'arrive à 15h31 pour être exact. Mais par contre, je dois rendre la voiture à 18h. Ça veut dire que, et c'est à 1h de là où on est qu'elle habite l'abonné, c'est dans Paris, donc ça va être une galère. Je vais mettre 1h aller, 1h retour, et en fait, je vais devoir aller rendre la voiture. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps de faire mes trucs à moi. Je vous ai dit, il fallait que j'aille acheter la teinture, l'alcool. Je suis dégoûtée. Et en plus, je dépose la voiture, je sais pas comment... Je dépose la voiture, je sais pas comment je rentre après. Je suis deg, hein. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Enfin, si, quand même, tu vois, j'ai fait ma petite journée tranquille, mais il manque plein de trucs en fait, et j'ai encore besoin de la voiture. Mais là, j'ai plus de sous pour la relouer. Je suis pressée d'avoir une voiture, je vous jure. C'est même pas que je vais l'utiliser tous les jours, c'est que ça facilite trop la vie. T'es là, tu tac, 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 t'as des missions, tu peux, tu vois. J'ai des missions, je peux pas, je suis à pied. Oui, les transports, les punaises de lit, ils ne mourront pas. Déjà, c'est pas chez moi. Si en plus je dois brûler tout le matériel des gens, non. Non. Par contre, là, dites-vous, je suis sortie sans la lumière parce qu'elle avait plus de batterie. Comme je l'ai utilisée toute la journée avec vous, là. Du coup, bah après, je me dis, à la lumière du jour, je sais pas, ça tombe à quelle heure la nuit, mais au pire, on mettra le flash de l'iPhone. Attention, monsieur, s'il vous plaît. Je suis pas tout seul sur la route. J'aurais aimé tourner une vidéo YouTube aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. Hey, depuis tout à l'heure, je vous parle, je suis dans une zone. Je crois que vous voyez mes yeux, ils sont pas là. Je suis ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais de la batterie, non? Ouais, j'ai dû mettre les trucs à charger. Je sais, ça se fait pas parce que c'est des mendiants et les pauvres et tout. Mais déjà, j'ai pas de sous, j'ai encore moins de monnaie. Quand j'ai, je donne. Hein. Je sais que ça se fait pas ce que je vais dire.
Mais vraiment, j'en peux plus des mendiants. Je vous jure, désolée madame. Je vous jure, c'est pas, j'en peux plus. Genre les pauvres, hein, tu vois, je les plains, je comprends la situation de ouf et tout. Mon souci en fait, c'est que j'ai honte de dire non à chaque fois. J'ai rien, j'ai sincèrement rien sur moi. C'est si j'ai de l'eau, des trucs à manger, ou même si j'ai de la monnaie, tu vois, je donne. Mais quand j'ai pas, j'ai pas. Et du coup, j'ai trop honte de dire non. Et après, tu sais, je vois un petit jugement dans leur tête et je me dis, oh là là, ils doivent croire que ça y est, je suis en voiture, ils doivent croire que tu vois, j'ai tout ci, tout ça. Et en fait, je peux même pas me permettre, tu vois. Donc ouais, ça me saoule. Et il y en a évidemment, on le sait, il y en a, c'est vrai, il y en a, c'est faux. On saurait jamais qui est qui. Donc de toute façon, quand je donne à n'importe qui, peu importe qui demande. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il y en a qui jugent après, tu sais, ils te regardent mal en mode, ils insistent. Même quand t'as pas, ils insistent. Ou alors, ça m'arrive souvent. Il y a grave des voitures des voitures de ouf à côté et ils viennent me voir moi. Par exemple, là, c'est un Twingo 2, ouais, de 2007. Hey, t'as des BM à côté, t'as des trucs, c'est moi qu'on vient voir, c'est moi qu'on insiste. Je parle pas de là tout de suite, mais de base. On insiste, genre, tu sais, c'est limite, ça attaque à la vitre. Et je me dis, mais les gars, ça se voit quand même que j'ai rien, merde. Bon, débat que vous allez pas kiffer, je pense, hein, mais vraiment, j'en ai ras la claque. Ras la casquette. J'en ai ma claque. Bah ouais, bah tu me suis, bah hein, toi aussi. Là, je suis arrivée à l'endroit où je dois tourner. Okay. Ah, j'ai capté. Ah ouais, ok. Là, je suis au 147, du coup, je vais tout droit en fait. Ouais, ça veut dire que je tourne pas. T'as capté, je sais pas pourquoi tu comptes faire un demi-tour. Tu vois les voitures de l'école qui sont garées là. Eh, j'ai oublié. Ouais, je suis là, je suis avec eux. Eh, j'ai oublié la bague, j'ai trop la haine. Vas-y, comme d'hab. Non, mais c'est pas comme d'hab. C'est qu'en fait, le problème, je crois qu'il vient de toi. C'est quand je te vois que je l'oublie. Hier, je suis partie. Je suis sortie hier, j'avais la bague. Ouais, pourquoi tu l'enlèves? Je t'ai dit, elle s'occupe pas. Hein. Ah non, je voulais la mettre en caméra pour dire, eh, regardez, je l'ai pas oublié. Voilà, c'est ça. Je voulais dire, eh, regardez, j'ai pas oublié la bague. Et j'ai oublié la bague. T'as oublié. Ouais, j'étais dans la salle de bain sans la caméra de base. Ok. Et puis tranquille, vu que je suis là, c'est bon, hein, je peux rester en station sur la voie de bus. Hein. Laquelle voie? Bah ouais, mais s'il y a un bus. Oui, là tu te mets après le bus. Là, le bus, là, il passe devant toi, là. Ouais, il est devant moi. Ok, je le suis, lui. Ouais. Je le suis, je m'arrête là où il s'est arrêté, là. Tu t'arrêtes juste après là. En gros, là, il avance, mais viens sur la voie de bus. Là, il est à l'arrêt, là. Ouais, viens sur la voie de bus. Eh, je me mange pas une amende, hein. Non, j'ai le droit, moi. Avec ta voiture à toi, t'as le droit? Avec ma carte. Ok. Non, mais même si c'est 2 secondes, on sait jamais. L'autre, là, elle m'a dit 135 euros là. Pour 2 secondes, elle voulait pas me laisser tranquille. Je suis là. Hop là. Ah ouais, mais voie de bus, je vais pas pouvoir la garder longtemps. Je vais où? Ah là, elle a mis l'ensemble. Ouais, j'ai mis l'ensemble, ouais. Avance encore un peu. Voilà, mais pour de vrai, je fais quoi s'il y a un bus? C'est pas par rapport à ta carte là? Je te parle de en soi, je fais quoi s'il y a un bus? Il peut passer là. Il passe comment? Bah, derrière toi. Il va me klaxonner, oh là là, il est là. Bah, avance un petit peu. Mais là, c'est pas un arrêt ça? Non, c'est pas un arrêt. Ah, ok. C'est juste que après, c'est un articulé, le 105. C'est pour ça que je t'ai dit, mets-toi au début du deuxième. Il va me klaxonner, vas-y. Ouais, il va klaxonner, regarde, non, il arrive là. C'est rien, mais je sais pas. Il s'adapte, ils ont là. Il va me crier dessus. Ça se trouve, je le connais. Sur ta carte, fais ça. Non. Non, mais on sait jamais, ouais, sur ta carte. Je suis sur une voie de bus. Tiens, elle est là. On a récupéré Loubna, madame pour le chaton. Eh mais je ressemble vraiment à ça là. Tu peux dire ce que t'as dit? Attends. Et voilà, je lui ai dit, t'oublies pas tout ce que tu m'as dit, tu vas répéter à la caméra, on t'écoute. Non, je disais qu'elle était vraiment beaucoup plus belle en vrai. Et mon nez, il est pas aussi gros dans la vraie vie. Ouais, wow, en vrai, ça se voit même pas. Wow. Voilà. Elle a vu ça. Après, moi aussi, j'ai un gros nez, tu vois. Non. Mais c'est juste que ça... Non, je te jure. C'est juste que ça se voit toujours moins en vrai. Arrête, t'as beaucoup de cheveux et tout. Ouais. C'est toujours que quand j'ai des cheveux lisses, ouais. Ils ressortent plus. Bah oui, mais moi ça fait ça. Ça fout la haine, mais je peux pas ne pas lisser mes cheveux. On va aller chercher le chaton. Ouais. On lui a ramené un sac. Là. Je sais pas comment je vous ai calé facilement la dernière fois, là je galère. Moi je vous remets ici parce que. Tout neuf, hein. C'est vrai? Ouais. Ça fait une sacoche du coup en fait. Mais non, je crois qu'il va se plier ou quoi? Non, je sais, mais genre t'as un truc là, ouais, là pour tenir et tout. Mais t'es fou, elle m'a fait trop rire. Elle m'a dit, je peux le mettre dans un sac de sport? Elle m'a dit, t'inquiète, je le ferme pas. La meuf, elle me disait, vas-y, vraiment, faut que tu viennes avant ce soir, j'ai un avion, machin et tout. Et elle me dit, par contre, vraiment, je te préviens, j'ai une copine qui a déjà essayé de le récupérer. Elle est jamais repartie avec parce que le chaton il a pété un câble parce qu'elle est venue sans sac. Elle l'a pas éduqué? Je lui dis, cocotte, j'ai pas le temps d'aller m'acheter un sac de chat en fait, moi. Ça coûte un sac de chat. Elle me dit, bah écoute, vas-y, teste un sac de sport. C'est elle, t'a dit, teste un sac de sport. Ça va, mais non. Bien sûr. Mais excuse-moi, ma question c'est, du coup, là, si le chat tu le récupères pas, il se passe quoi? Parce que tu m'as dit, elle a un avion. En fait, en vrai, le truc, j'avoue aussi, j'ai l'impression que. Green light. I hear, 10 minutes. Je sais pas, je lui dis. Ouais, ça peut attendre et tout. Elle me dit vraiment, je peux pas, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je pense que c'est parce qu'en fait, comme elle part en déplacement souvent, elle m'a dit qu'elle travaillait souvent, donc elle a pas le temps de s'en occuper. Et c'est un chaton, tu vois. C'est un quoi?
Je sais pas, européen je pense. Il y a pas de, je pense pas que c'est une race. C'est un chien européen, c'est quoi? Européen, c'est vraiment. Ah, tu payes pas déjà pour l'avoir? Un chat de gouttière, genre. Non, mais les chats de race, assez, tu les basiques. Ouais, tu claques 200 balles là, quand c'est un chat de race. Et moi, c'était hors de minimum. Toi, t'es marrant. J'ai payé 1000 balles, mon chat. Quoi? J'ai payé 1000 balles. C'est plus de 1000 balles, un chat de race. Mon bébé. Oh, il était trop mignon, ton chat, en plus. C'est des. Je sais comment je déprime. Je me suis dit, si je pars, faut que je parte avec une meuf, quelqu'un qui connaît les chats. Qui connaît les chats. Mais question, attends, il est stérilisé et tout? T'as vérifié tout? Ouais, Mathilde, il est pucé. Il a des papiers? Pucé, je sais pas. Faut que tu vérifies, c'est illégal s'il est pas pucé. Parce que moi, quand j'ai récupéré mes chats, en plus, moi, j'ai payé. Ouais. Elle m'a dit qu'ils étaient pucés, vaccinés, tout ce que tu veux. Au final, il y avait rien du tout. Ni puce, ni vaccin, ni castré, ni rien. Le chat qu'elle m'a offert, c'était ça le problème. Ouais. Il avait des puces et tout, alors qu'elle lui a dit il est sevré et tout. Ouais. Même sevré, c'était pas sûr. Hein. Après, bon, les puces, on s'en débarrassait grave vite. Hein, avec le collier là. Oui, heureusement, ouais, mais ouais. C'est super chiant parce qu'il y avait un autre chat à la maison. Ouais. T'es en train de me dire que je peux avoir des puces, genre. Ouais, mais c'est rien ça. C'est des puces d'animaux, c'est pas, ouais, oui, c'est pas sais, des punaises de lit. Ouais, un petit collier, c'est réglé. Mais bon, ça reste, ça reste, ouais, ça reste un truc chiant. Ouais, elle a vérifié tout. Franchement, t'es tombée sur la meilleure. Elle vérifie tout. Sérieux, ouais, elle connaît tout avec les chats. C'est une femme de chat. Je me suis dit tout ça, je pourrais pas. Du coup, de pas avoir de mari. Bah, on a des chats. J'espère qu'on a entendu la vanne, putain. Je répète. Attends, je casse ta tête de revêt. À défaut de ne pas avoir de mari, on a des chats. Ouais. Ah, parce que son micro il capte pas les voix. Ouais, en plus je sais, tu l'as dit que c'est une galère là. Ah, t'as regardé tu le vlog d'hier? Bah ouais, oui. Mais ouais, parce qu'elle m'a dit j'ai arrêté de fumer, c'est dans le vlog d'hier que j'ai annoncé. Je t'ai mis un commentaire. Dis-toi, il y a personne de la famille qui sait que je suis fiancée à du bled là. Ouh là là. Mais non, tu t'es fiancée quand? Il y a 2 mois. Ça tech. C'est trop bien, wesh. T'as quel âge? 25. Ah, ça tue. Enfin, ça tue. T'as 25 ans? S'il y a des. S'il y a des. Ouais, prends, tu fais 14-15 ans. Quoi? Ouais, c'est parce que je suis pas maquillée. Non, 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 non. Je te jure qu'à chaque fois que je suis pas maquillée et que je suis en dégaine comme ça, non, et ben non, on me dit tu fais 18 ans. Non, là tu fais 18-19 ans. 25, elle a dit. Ouais, mais c'est parce que attends, tu suis pas maquillée, je suis pas maquillée et je suis pas habillée. Ouais, mais parce que je suis pas habillée correctement, je te jure, à chaque fois on me fait moins comme ça là. Et quand t'es habillée et tout, on sait que t'as 25 ans. Ouais, on fait même 26. Ça se voit, c'est une meuf à blazer et tout. Bah, quand je m'habille en mode taf, je fais 26, tu vois. Tu t'habilles en taille. Ça habille comme Nice, non? Non, pas en taille, juste pas. Mais tu t'habilles comme Nice. Non, même pas. Genre, petite chemise, un pantalon cigarette. Ouais, moi je suis en Lacoste. Pour le vrai, j'ai des peines. C'est ma nouvelle peine. Ouais, elle est contente. C'est le. Elle me tente, j'ai envie de l'acheter moi aussi. Elle est pas trop belle. Je suis en train de tournicoter son yep. Elle tue. En vrai, je suis pas trop TN moi. Ça pas de goût. Mais par contre, ça te va bien. Merci. Ah, parce que je ressemble à la caisse. Non, pas du tout. Mais moi, je la trouve kikinette. Je suis en train de. Tu peux pas venir habiller bien. J'ai calé. C'est pas grave. À mon grand âge, j'ai 10 ans de permis. T'as plus, hein? Non, j'ai 10 ans. T'as mon chien, ah, voilà, m'a pris plus. Pour une tarée. Je lui ai dit, tu sais, je vais récupérer avec qui le chat? Parce que de base, ça devait être lui, mais il m'a dit, c'est pas possible, je pouvais pas. Une meuf d'internet. Et il me dit, je lui dis, Chiral SMH. Il me dit, c'est qui? Je lui dis, une influenceuse, je l'ai DM. Il me dit, mais t'es complètement tarée, toi. Hein. Imagine, elle te fait un bail et tout, je sais pas. Après, je dis, c'est moi, il doit croire que je suis folle. J'allais te dire, en plus, j'ai suivi un peu ta vie, franchement. Il n'y a pas besoin d'être fanatique pour connaître un peu ta vie à l'époque et tout. Et du coup, je lui dis, vas-y, en plus, Meskina, elle est traumatisée. Des gens, ça se trouve, elle va croire que je vais la harceler, que je veux savoir où est-ce qu'elle habite, des trucs comme ça. Il me dit, ah ouais, et tout. Je lui dis, ouais, franchement, non, vas-y, je vais rien passer pour une folle. Parce qu'au début, j'allais. Pourquoi j'ai acheté des Actimel? T'allais m'acheter des Actimel? On n'achète plus d'Actimel. J'ai appris, on n'achète plus d'Actimel, les gars. Ouais. Mais merci pour c'est l'intention qui compte. Après, je me suis dit, vas-y, je la connais même pas. Elle vient, je viens, ça fait abonné taré. Non, mais on les aurait pas jetés après. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, au pire, au retour ou quoi. Mais... Non, mais t'inquiète. Parce qu'en fait, quand t'as dit, ouais, vas-y, j'aime trop l'actime, déjà, c'est vrai, c'est trop bon. T'as vu, et en plus, je suis dégoûtée. Je disais, vas-y, parce qu'il y avait une promo. Parce que toi, et t'as tout. Pas capté, tu vas les faire. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais faut que je dise à ces gens, comment c'est une psychopathe. Elle a acheté les 0% de sucre, les natures. Ceux-là, ils sont des. Non, ils sont bons. Oh my god. En vrai, ça va. Oh my god. En vrai, ça va. Tu dis je suis folle. Ils ont vu ce matin, j'ai fait mon sport et tout. Je suis déterre. Toi, t'es déterre, toi? Moi? Voilà. Moi, j'ai des kilos à perdre, je les perds, madame. Ouais, déterre-toi, wesh. Oh, t'es belle. Ouais, c'était moi. C'était nous dans nos têtes, genre, tu sais, elle était bronzée, cheveux lissage noir. Là, trop belle. Ça. Là, on n'aura pas le temps. Faut qu'on fasse des UV? Ouais. Ah, moi aussi, j'y ai pensé, mais je sais pas. Putain, c'est marrant. En plus, il y en a un au bout de ma rue. Ça coûte 5 balles. 5 balles pour la. Ouais, je pense qu'il faut une plaque à la voiture. Ah merde. Genre, vous pouvez pas en déposant au retour, non? Justement, ça, je vais voir. Le problème, c'est que c'est une demi-heure. Ça dure, pas tu forcément. Vois. Tu bah, moi, je fais, une... tu non, fais un bon 20 minutes, ah ouais moi, je ressors bien. Hein. Tu sors justement coloré, enfin, genre, pas t'as trop, des couleurs, genre. Mais pas gogol qui revient, enfin, qui revient d'Ibiza, alors que non, tu vois. Je fais. Roya, voilà. C'est, j'ai des couleurs, quoi. Non, mais sérieusement, mais bip, pas moi, c'est pas moi, c'est Pépito, pas passer, là. Je peux, mais légalement, j'ai pas le droit. S'il met un coup de volant, j'ai perdu. Vas-y, hein. Voilà, là, on est sur une route.
une route entière et c'est vélo. Vas-y. Et il est pas pressé, Pépito. Vas-y avec le... Mon pire, ça me dit, la situation elle me fume. T'inquiète pas, nous aussi. J'arrive pas pour une fois. Il m'arrive dans 3 minutes. Imaginez le chat, il est moche. Moi je te le dis plein de têtes. C'est quand même un chat moche. Ouais, mais moi, est-ce qu'il est biglouche et tout, je les aime trop. Tu sais, je suis grave des comptes de chats avec des dégaines bizarres. Ouais. Ah, vous êtes fan de chats. Ceux qui ont la langue qui sort et tout. Je suis en télétravail, du coup, je vais juste. Mais regarde, c'est trop. Voilà, là, son petit ordinateur, Zerma, télétravail, elle va chercher des. Elle va chercher des chats. Tu filmes ça. Ah ouais? Et je conduis, on fait comment? Regarde. Voilà, elle est en télétravail. Arrête de me recherche virer. De chatons. Je t'embauche si tu te fais virer. T'apprends à monter. En plus, j'ai monté. Après, télétravail. Tu sais monter les vidéos pour de vrai? Ouais. Va falloir qu'on discute. J'en ai marre de monter mes vlogs. Après, je fais plus des montages de mes fiançailles, mais bon, ça t'as fait ton propre montage. Ouais. Franchement, j'avais rien à faire. J'ai vlogué ma journée et tout. Je suis pas sortie aujourd'hui. T'as fait ma sortie de vlog, ouais, je te jure. Bah, j'ai fait mon sport ce matin. J'ai filmé 2-3 TikTok. J'avais un peu de ménage à faire. Je l'ai fait à moitié. Tu te remets à fond là? Ouais. J'ai envie, mais en fait, je dis rien parce que si je le fais pas, tu vois, après, ouais, c'est compliqué. Ouais. Je me déçois moi-même, tu vois, quand je suis pas fiable, c'est décevant même pour moi. Donc bon. Après, je sais, c'est dur comme taf parce que c'est le genre de taf où faut toujours se motiver, y a personne qui te motive. En fait, ouais, c'est mentalement. Je peux pas dire c'est dur comme taf parce que Dieu sait, j'ai travaillé et voilà, c'est beaucoup plus dur que ça. Non, quand je dis dur, c'est mentalement, c'est qu'il y a personne qui te dit vas-y, j'ai pas le choix de me lever le matin. Ouais. Tu dis vas-y, en vrai, si je me lève pas, ça va. Et tu tombes vite dans un gouffre de trop dormir, d'être procrastinatrice, trop. Je comprends, ouais. Bah, surtout, moi, franchement, c'est le genre de taf, je serais pas vu parce que j'aime trop dormir. T'as vu? Là, c'est mon souci. Viens dormir. Après, ça va, je suis avec quelqu'un qui est dynamique. Donc je suis obligée de me lever. Oui. Hop, prochaine à droite, c'est bon, on arrive. Moi j'ai juste hâte d'avoir l'update de ta vie. Ouais, j'ai pas encore répondu aux questions. Ouais. C'est compliqué pour moi de parler de tout ça aussi, tu vois. Donc je me dis un jour quand je serai bien, je serai fière de qui je suis, je pourrai enfin dire voilà, je suis sortie de cette période, ouais, Inch'Allah. Mais j'aimerais bien sortir de la période avant de me lancer dans les. Elle m'a dit, j'espère qu'il va pas être trop excité, il dort. Quand je vais raconter ça, il va rien comprendre. T'as fait quoi aujourd'hui? Bah en fait, je suis partie chercher un chat. Il y a une abonnée, elle m'a envoyé un message. Non, mais par contre, je suis une vraie abonnée, c'est pas une folle. Ouais. 15 piges, je te suis. Même, tu m'as dit PS, c'était trop bien. Mais même si c'était pas ça, voilà l'histoire du chaton, je peux pas laisser comme ça. C'est trop, c'est trop dur. T'as plus de voiture, tu vois, pourquoi? Si, j'en ai une, mais en fait. En fait, tu m'as mis chaud en fait. Non, voilà, non. Ils veulent pas me donner un parking, ça fait 2 ans que je bataille. Je rigole. Et du coup, elle est où? Chez tes darons? Ah non, elle est chez mon fiancé. Pour l'instant, c'est lui qui s'en occupe. Vous habitez pas ensemble? Non, pas encore. En fait, on voulait prendre un chaton pour nous deux, mais je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion là. Tu le prends avant? Ouais. Parce que, en fait, il est. En fait, la colosse, l'occasion, c'est présenté. Elle me dit, vas-y, vite, faut que je m'en débarrasse. Il est trop mignon. Donc, je me suis dit, enfin, elle me dit, vas-y, il faut vite que quelqu'un le prenne. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, tu vois. Comme ça, tant qu'il s'habitue un peu à moi et après. Parce que quand lui... tu cherches, il n'y a jamais d'annonce. Ouais, c'est ça, je cherchais pas. Donc, je me suis dit, quand tu cherches, tu trouves rien. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, je le prends. Après, par contre, c'est sa troisième famille, vous trouvez pas ça bizarre? Oh là là. Je vais être sa troisième famille. S'il y a 3 mois. Ouais. C'est un bébé, c'est normal. Et il est sevré, il a fait 3 familles, il a 3 mois. C'est ça, je vais être sa troisième famille. En fait, elle l'a donné quand il était pas sevré. Elle, en gros, elle a dit qu'il avait. On lui a offert le chat, donc c'était elle, c'était la deuxième famille. Mais elle habite seule et il n'y a personne pour s'en occuper. D'accord. Non, moi je pense qu'elle l'a eu, il était pas sevré en fait. Ça se trouvait de ma mytho. Par contre, des fois, quand je lui posais des questions, elle répondait pas. Elle répondait vaguement. Ouais. Par exemple, quand je lui dis, est-ce que juste tu penses qu'il va défoncer mon canapé ou pas? Par rapport aux griffes. Oui. Je te préviens, oui. Le chat le plus doux du monde. Il faut juste lui apprendre normalement. Non. Non. Il m'a dit faut que tu lui mettes ses griffes sur. Il a oui, eu un chat. Tu peux, non, tu lui mets sur un arbre à chat. Parce que là, tu peux les éduquer. Faut pas lui faire de faux espoirs, non, c'est pas vrai. Mais attends, justement. Mais là, moi, je te mens pas. Hein. Ouais. Tous mes chats, ils ont canapé. Pardon. Donc ma caution, elle saute en fait. Non, mais. mais il faut que tu préviennes. Moi, je sais que ma propriétaire, elle savait que j'avais un chat, elle savait que ça allait ruiner le canapé. Okay. Elle le savait, tu vois. Donc je l'ai prévenue avant. Elle m'a dit je sais, j'ai des chiens, je comprends et tout machin. J'étais en accord avec elle. Mais pourquoi je te dis oui, c'est sûr et certain, j'ai 2 chats. Et les deux chats que j'avais, les deux, c'était 2 caractères très très différents. T'en avais un qui était très très doux. Katsu. L'autre, ouais, Katsu était tout doux, il faisait pas de bêtises, rien. Et l'autre, super excité. Ah ouais. Le super excité, il a commencé à griffer. C'est mort. Katsu, il s'est mis à griffer aussi. Et en fait, c'est foutu. Même si au début, il griffait pas trop, il griffait même un peu quand même. Après, à 3 mois, tu peux l'éduquer, non? Enfin, c'est là, ça, je l'ai eu tout. En tout cas, c'est pas une perte de temps, tu pourrais essayer. Après, oui. Alors, j'ai vu sur TikTok. Ça, elle a pas répondu. Elle m'a dit, bah écoute, moi j'allais lui acheter un arbre à chat. Je savais pas que tu dises non. Parce qu'un arbre à chat, en gros, même si elle te fait les griffes, un chat, il va aller là où ça l'arrange. Mon miroir. Si t'as un
miroir en bois, c'est mort. Ouais. Les trucs en bois, c'est mort. Non, c'est bon, c'est incrusté sur le canapé. Il y a une meuf sur TikTok, elle a dit, en fait, les chats, ils aiment pas le velours. Donc si t'arrives à trouver une truc en velours, une housse. Ah, trop bien, mes chaises, elles sont en velours. Bah voilà, housse en velours. Ils aiment bien dormir dessus, mais ils griffent pas les trucs en velours. Oh, elle a fait le test avec plein de trucs. Il faut que tu trouves une housse de canapé en velours. Ça peut être. Je dirais pas une interview. Un plaid, ouais, de fou. Plaid. Bah ça peut. Ouais, non, mais ça, ils aiment juste se frotter dessus, mais ils griffent pas. Ok, donc je vais mettre les plaids par-dessus mon canapé, en fait. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'ils grattent les côtés. C'est-à-dire, faut que ton plaid, il aille sur les. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment il est ton canapé, mais les poils de chat, prépare-toi. Voilà. Prépare-toi. Bah ça, en vrai, je. Ça dépend. Je sais. C'est obligé de toute façon. C'est pas. Mais juste les griffes, je sais pas. Mon fiancé, il m'a dit non, en vrai, si tu l'éduques, c'est bon. Bah après pas. De toute façon, c'est temporaire. Tu peux pas éduquer. Elle m'a dit, je descends t'ouvrir. C'est elle, c'est lui. C'est lui le chat. Elle gâte, chat, il a des chaussettes. Il a des chaussettes. J'espère que c'est pas lui. Parce non, c'est pas lui, non. Salut, beau gosse. Il est trop beau. Il est skinny. T'as quelque chose à dire? Il a dévisagé. De ouf, tu regardes mal, hein. Tu regardes vraiment mal, mon pote. Il est trop kiki. Il est venu de là-bas. Oh, il y en a un deuxième. Salut. Oh, il a pas plus de queue. Ça doit être les darons. Jure, il a plus de queue. Non, elle est juste enroulée, je crois, sa queue. Bah, j'ai vu une queue comme ça, moi. Bah, ouais. Moi, j'avoue, elle est chelou, sa queue. Ouais, je trouve qu'elle est coupée, hein. Mais si, il est malade. Salut. Ça va? C'est pas le premier chat que je garde. Ah ouais? Non, c'est pas le premier. Oh mon bibi, il est trop beau. J'en ai gardé 2-3 fois, 2-3 chats, ouais. Mais c'était pareil, c'était quelques jours, quelques semaines. Ok. Il est magnifique, ouais. Il a pas peur, je suis choquée. On l'a récupéré du coup. Il a des yeux de ouf. Coucou. Kikinette, c'est parti, on prend la route? Parce que les gens ils l'achètent, hein. En vrai, de vrai, je te jure, cette race, ouais. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah après, même si tu l'achètes pas, t'inquiète, tu vas dépenser quoi qu'il arrive. Donc. Je te laisse, tu le mets comme ça? Bah, ça, je peux fermer. Avec Oum Salem. Merci. Hop là, c'est parti. Fais gaffe, elle va rentrer avec. Elle est stag la meuf du chat. Ouais, elle a aucune ouais, elle a aucun amour pour l'animal. J'arrive pas à m'attacher au chat. Ah ouais, elle. Je m'attache pas aux animaux. Je comprends, il hein, y a moyen que tu t'attaches pas avec. Non, mais c'est abusé. C'est bon, t'inquiète, je lui ai dit. Mais même, quel plaisir, il a pas peur, il miaule pas, il tremble pas. Notre dernière mission de taxi. Vraiment, t'as vu comment c'est une douilleuse? Là, il était pas sevré quand elle l'a eu. Non. Rikiki, impossible. Même mais là, ça, là. Vas-y, je me suis dit. Mais même là, je pense. Même là, je pense. De toute façon, ça sentait le chat, donc je pense pas que je pense qu'il pisse un peu partout encore. Quoi? Ouais, je pense. Moyen. Mais après, c'est rien. Ça s'apprend tellement vite. Ouais, franchement, les chats, ils sont pas. C'est ma phobie, ça. Vous voyez, c'est qui Yousra, l'influenceuse? Ouais. Mais t'as vu son chat dans son chat? Je sais pas, mais il a pissé. Il lui chie dessus et tout. Il lui fait le hal à son chat alors qu'il était sevré. Il a pissé dans un gâteau. Vraiment, je te jure, ça m'a fait. C'est ça qui m'a fait flipper pour les chats, parce qu'en fait, elle, son chat, a été éduqué. Tout se passe bien, ça fait des mois qu'elle a, juste son mari, il est parti. Il l'a quitté. Ah, parce mais c'est normal. Voilà. Bah oui. Donc, et depuis, il lui fait pipi partout. Non, c'est normal. Ah oui, c'est normal. Il s'attache aussi. Hein. Un, il s'attache, de deux, il te fait payer. Moi, quand je suis revenue de vacances, un jour, je l'ai laissé. Quand je suis revenue de vacances, la misère qu'ils m'ont fait. C'est vrai? Ouais, vraiment, je les avais laissés avec. J'étais en coloc à l'époque. Je les avais laissés avec mon coloc. La misère que j'ai eue quand je suis rentrée, ils t'en veulent en fait. Okay. Tu les as abandonnés pour eux, tu vois. En plus, quelques semaines après, je me barre au bled, mais après, je vais laisser éclair mon fiancé et lui, il ira le nourrir. Oui, je pense que je lui dis, c'est mieux qu'il change pas. Parce que lui, au départ, il voulait l'embarquer avec lui. Je dis non, parce que les miskins, il va être perturbé déjà. Tant qu'il s'abat. Si, il va venir, je pense que je vais lui laisser mes clés. Ouais. Tu vois, ma mère, elle est partie en vacances un mois au Maroc. Ouais. Moi, j'ai gardé mes chats. Mes chats, hein, pourtant. Mmh. Mes bébés d'amour. Ouais. Mon chat, il a fait une dépression, il est devenu obèse. Voilà. Depuis, il a plus jamais perdu de poids. Bah, la dépression. Juste parce que t'es partie. Enfin. Parce que ma mère, elle est partie. Dépression. Ah ouais. Ah, c'est sensible. Ouais, je sais. En vrai, l'ancien chat de mon fiancé, il est mort. Et il est mort parce qu'il se laissait mourir parce qu'il a pas accepté le deuxième chat. Il a pas accepté l'attention qu'il donnait au deuxième chat. Du coup, il voulait plus manger, il se nourrissait plus, dépression, et il est mort. À chaque fois que j'ai eu un deuxième chat en même temps qu'un premier, j'ai forcé la rencontre, hein, les délires de une porte, moi séparée, aussi. Machin, moi fous. Aussi. Je les laisse, franchement, quand c'est un bébé, ils se battent jamais. Il n'y a pas d'agressivité quand c'est un bébé, non. Mais après, ça dépend aussi, je pense, de comment t'éduques ton chat. Si ton chat, il n'est pas violent de base, il n'y a pas de risque quand t'as un deuxième chat. Moi, quand Ushi, il est arrivé avec Katsu, tout le monde m'a dit « Sépare les dents des chambres, faut qu'ils se sentent. » Écoute, il est arrivé à la maison, on les a laissés sortir tous les deux, ils se sont sniffés, c'est bon, c'est fin. C'était devenu des frères. Okay. Ça a pris littéralement 3000, aucune bagarre, aucune griffure, rien. Après, quand ils ont grandi, ils ont commencé à se battre, mais c'est pas pareil en grandissant, tu vois. Ils ont commencé à se battre, c'est différent et tout. Non, ils se battaient, c'est des chats, c'est des trous de balles. Vraiment, il n'y a pas de juste, ils se battaient pour se battre. Il me sniffe. Mais il est tout calme, hein. J'ai oublié qu'il était là. Ouais. Un truc à dire?
Il veut pas parler. Hein. C'est rassurant, en tout cas, il tremble pas. Franchement, je pense qu'il va être rapidement à l'aise. Ah ouais ? Franchement, je pense que ce soir. Vous pensez qu'il va m'aimer ? Bah oui. En plus, bébé, comme ça, il est obligé, wesh. Il y a que toi, dans sa vie. Il y a qui d'autre ? Mais l'abandonne pas. Ouais. Attention. Ah non, jamais de la vie. Mon fiancé, c'est pareil. C'est un skin. Il kiffe de fou les chats. Déjà, je pense qu'il est tombé amoureux du bébé là. Juste ma belle-mère, elle m'a dit. Par contre, juste si on le prend un peu à la maison pour le garder, elle me dit, je suis pas sûre qu'il reparte. Hein. Ouais, parce qu'en gros, tout. Vu comment il est beau en plus d'être mignon. Ouais. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi elle a dit. Parce que je pensais à ça. Je me demande pourquoi elle a dit qu'il était excité et tout. C'est pas du tout le cas. Non mais vraiment. Il est pas excité, il est pas apeuré. Je sais pas comment il était avec elle. Je vois sa taille. Ouais, il est minus. Hein. Vraiment, il est tout petit. Oh, c'est vrai que ça fait pas. En vrai, j'ai ma pote là qui a un petit de 4 mois. Un petit chaton, j'ai passé quelques jours avec, il était beaucoup plus grand que ça. De toute façon, 4-5 mois, c'est plus un chaton. Ouais, c'est ça y est, ouais. Oui, ouais. C'est vrai. La femelle, elle peut même déjà avoir des chatons. Bébé. Bah, quand même, il faisait bébé, mais. Tu vois, il y avait une grosse bébé. Mais là, ça, c'est un mois et demi. Ah ouais ? Elle l'a eu, je pense, 2-3 jours. Ouais, vraiment, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Là, il a un mois et demi. C'est pour ça que je te dis, surprise qu'il soit sevré, surprise, il est pas pucé et tout machin, c'était sûr. Il est pas vacciné, faut que je fasse attention à tout ça. Mais de toute façon, en fait, c'est légalement, hein, je te parle pas de. Il va rien te ramener à la maison, surtout s'il y a pas de jardin, il va rien te ramener. Ouais. Mais légalement, t'es obligé, faut que tu fasses gaffe. Mais là, tu vas le ramener chez le vétérinaire le plus rapidement possible. Ouais, je vais laisser ça à mon fiancé. Voilà, c'est ça. Ouais, il va te dire. Et tu verras, là, à son âge, là, il va commencer à perdre ses dents de lait. C'est-à-dire, tu vas voir, il aura deux canines en même temps. C'est trop drôle, les dents de chat. Bon, on prend la route là. Enfin, on a pris déjà. Tu peux sortir mon vieux. Bienvenue chez toi. Bah, il veut pas. Comment on l'appelle ? Ice. Laisse ouvert comme ça. On va sortir. Enfin, on l'appelle comme si j'allais. Comme si j'habitais là. Coucou, Ice. Attends, je vous mets un peu de lumière histoire que vous le voyez. Il fait sa vie. Psst. Et il est pas fut après. La porte de sortie est de l'autre côté. T'es chez toi, mon bébé. Je vous le présente, Ice. On va pas rester trop longtemps, du coup, peut-être qu'on va pas le voir sortir, mais. Il est là. Psst. Pistache, tu sors pas ? Elle a pas oublié le télétravail. Elle a sorti son ordi direct. Je te jure, on va te faire des papouilles. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas grave, il cherche sa cachette. Ouais. Il est trop mignon. Bah ça y est, voilà, je savais qu'il allait être là-bas. Ben voilà, officiellement un chat heureux. On a réfléchi, franchement, il y a aucun. C'est sûr que le chat a déjà voyagé, il a pas miaulé, il a pas tremblé, rien. Trop de trucs un peu louches, donc je pense qu'il a fait beaucoup de voyages, le pauvre. Mais il est enfin stable, donc trop contente. Yay! Il s'adapte trop vite, je suis choquée. Elle a dit qu'il était excité, qu'il sortait pas de son truc et tout. C'est pas vrai, hein. Je crois qu'elle le connaissait pas, le chat. Je crois qu'elle l'a jamais rencontré. C'est choquant, il se balade. J'aime trop. J'ai plus de batterie, c'était bien sympa, mais du coup, j'ai pas le temps de faire mes trucs. On est à 1 heure de l'endroit où on doit rendre la voiture et on doit la rendre à 18h. On arrive à 18h13. Donc j'ai demandé au mec si on pouvait la rendre à 30. Mais le temps de la nettoyer et tout, je sais même pas comment on va faire. Donc, souhaitez-nous bonne chance et espérez qu'il n'y ait pas beaucoup de trafic, d'embouteillage. Parce que, ah ouais, du coup, on a perdu masse de temps. Je sais pas comment on va nettoyer la voiture là, mais il va falloir qu'on s'organise. En 10 minutes, on doit faire l'aspirateur. C'est tout ? C'est tout. Bon, on fait l'aspi, l'extérieur, ouais, voilà, un petit coup de lingette. L'extérieur, bon, on n'a rien fait. Il est clean et il pleut, donc bénef. Ouais, bah, désolé, tu vas attendre. Bref, du coup, j'ai plus de batterie sur la caméra. Donc, je vous dis à toutes quand je rentrerai à la maison. Je suis bien rentrée. Désolée, je fais une voix off parce que j'avais pas trop envie de parler. J'étais totalement fatiguée. Il était 21h, même un peu plus, je crois. Je suis exténuée à ce stade. On a mis bien plus de temps que prévu, le temps de laver et de mettre l'essence. Il y avait tellement d'embouteillage, je vous jure, c'était choquant, qu'on est arrivé à plus de 19h chez le monsieur. Et vu qu'il était occupé et que c'était pas du tout l'heure de notre rendez-vous, on est arrivé beaucoup trop tard. Du coup, on a dû attendre plus d'une demi-heure dehors. Heureusement qu'après, Chouchou soit venu nous chercher, au moins pour nous déposer tranquillement. Mais tout ça, la journée a été vraiment longue et malgré tout, je trouve très fatigante et ça peut se voir, je crois, à mon visage. Pour ce qui est de Pistache ou Ice, vous l'appelez comme vous voulez, en vrai, il s'appelle Ice. Je sais pas pourquoi je suis autant rattachée à Pistache. Il va bien, elle m'envoie souvent des photos et des vidéos, ça fait quelques jours maintenant qu'il est là-bas à la maison. Mais on a des soupçons sur son comportement parfois. Il est normal jusqu'à ce qu'elle lève les mains, par exemple, ou elle crie un petit peu, elle parle un petit peu fort, il panique et prend la fuite pour se cacher. Ça fait un peu peur, mais on se demande s'il a été bien traité pendant tout ce temps.
temps en fait, on sait pas vraiment. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà un vlog long pour une fois, vous en pensez quoi? Perso, je trouve que le moment de la voiture est très long. J'ai peur que nos conversations ne vous intéressent pas trop. En tout cas, dites-moi parce que moi ça peut m'aider pour les prochaines vidéos. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que vous voulez des conversations plus longues? Est-ce que les conversations quand il y a d'autres personnes c'est assez intéressant? Toutes ces questions-là, je sais que vous pouvez y répondre. Je vous laisse faire. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai trop kiffé répondre aux commentaires de la dernière vidéo parce que vous avez commenté plusieurs fois. La plupart d'entre vous, genre, vous répondiez à une question, enfin un truc que je posais comme question dans le vlog. Du coup, je répondais. Ça faisait genre comme. Comment dire? Genre, tu sais, un truc react, un commentary. Genre, vous commentiez en même temps de regarder la vidéo et vous aviez plusieurs commentaires parce qu'il y avait plusieurs questions et moi je répondais à chaque. Enfin bref, j'ai kiffé répondre aux commentaires de la vidéo d'avant. Non pas que je vais pas kiffer cette vidéo-là, arrêtez d'être jaloux comme ça. Mais voilà. Enfin bref, rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches. Des bisous!